Saint-Esprit, de notre cœur humblé contrit, recepte la prière, qu'à toi seul enfin consacré, il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint. Alléluia, Dieu trois fois saint. Que ton auguste nom soit craint. Auguste. Par tout ce qui respire. Tout ce qui respire. Règne sur ton peuple à jamais. Règne sur ton peuple à jamais. Et que tout l'univers en paix. Tout l'univers adore ton empire. J'avais pas vu que vous n'aviez pas les paroles, pardon. Amen. Je vais inviter quelqu'un à venir prier pour nous. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour le soleil, merci pour la vie. Merci de nous permettre d'être là en ce saint sabbat pour t'honorer, Seigneur, et glorifier ton nom. Bénis le jeune Léo qui a fait la bienvenue et bénis ton église qui est là pour t'adorer. Permets que nous soyons édifiés par tout ce qui sera dit. C'est la grâce que nous te demandons, notre ton Fils Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Nous allons maintenant nous séparer pour étudier la leçon de cette semaine. Bon partage à tous. T'as vu, c'est super. Bien. Bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Bonjour, bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous souhaite à tous vraiment une très très belle journée de sabbat. Et quoi de mieux pour commencer cette journée de sabbat que de se plonger dans la parole pour essayer de se nourrir de ces psaumes. Coucou Patrice. Ces psaumes dont on se nourrit depuis maintenant un trimestre, puisque c'est la clôture de ces études sur les psaumes. Alors, on n'a pas lu tous les psaumes. Je pense qu'il aurait fallu un peu plus d'un trimestre, mais c'est vrai que la dernière leçon, c'est souvent un petit peu l'occasion de faire le bilan aussi par rapport à ce qui a été échangé et ce qui a été découvert voilà, en se plongeant dans ces textes des pommes. Moi, personnellement, j'ai découvert des choses vraiment très, très, très sympas qui m'ont touché. Et je vous propose d'attaquer un petit peu ce thème qui nous est proposé aujourd'hui à l'étude. « Espère en l'Éternel ». Alors le verset est pas le verset thème est pas encore projeté. Je vous le lis. Il se trouve dans Psaume 27 verset 14. Ah ben si, le voilà. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alors j'aimerais commencer en vous demandant est-ce que pour vous, comment est-ce que vous vivez le fait de devoir attendre des événements, des choses qui vous tiennent à cœur, que vous espérez, et puis vous devez attendre, attendre, attendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre cette situation-là? Alors, il y a un micro qui circule ou pas? Alors. Je disais que c'est dur, que moi j'étais impatiente. Et je le reconnais. Priez pour moi, mes amis. Alors, tu es impatiente et tu dis c'est dur. C'est dur d'attendre.
Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que ça évoque des souvenirs pour vous, vraiment de moments où vous dites « Ah oui, j'ai dû attendre, et puis c'était dur. » Ou alors « J'ai dû attendre, mais c'était pas dur. » Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que vous vous rappelez de moments comme ça où, et comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est dur. La patience a plusieurs facettes. Il y a aussi l'excitation. Quand tu attends ta femme et que tu es jeune marié, que tu es jeune fiancé, tu vois, c'est l'espérance, la patience, et ben, c'est ce côté un petit peu excitant aussi. Par contre, il y a aussi le fait de dire, espérer par exemple un nouveau travail qui ne vient pas. Espérer, je sais pas moi, une réponse. Quand tu as un examen médical et que tu ne sais pas si c'est grave ou pas grave, tu n'as pas trop envie, tu vois, t'es impatient de savoir ce qui se passe dans ton corps, dans ta maladie. Donc, il y a plusieurs facettes. Ça dépend des moments de la vie, ça dépend d'expériences que tu as. Voilà. Ça me fait rigoler ce que tu dis. Ouais, je te passe la parole, Patrice, parce que ça me rappelle quand on en discutait avec Cécile il n'y a pas si longtemps que ça. Elle me disait qu'on avait des rendez-vous des fois, et puis à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables. Oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein ? Oui, il y a une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, c'est vrai. Et du coup, ben, c'était pas facile pour dire j'ai un problème, je ne peux pas être là. Et donc, elle me disait, voilà, enfin, bon, c'est vrai que je suis souvent en retard, ça m'arrive de temps en temps. Mais où elle m'attendait, elle me parlait de cette attente-là, et puis que franchement, c'était long. Une fois, tu avais attendu combien? 15 ans. Non, peut-être pas. 15 ans. Ah, et donc, c'est pas que des beaux souvenirs, mais c'est parce que tu disais, l'excitation de l'attente et tout, ça dépend comment ça dure. Alors oui, je crois que ça dépend de ce qu'on attend, en tout cas pour ma part. Et ça dépend si je peux agir ou pas sur ce que j'attends. Il y a des choses que j'attends, en fait, ça ne dépend pas de ma volonté, je ne peux rien faire pour faire bouger quoi que ce soit. Et là, on peut avoir le sentiment d'impuissance, en tout cas pour ma part. Et ça, parfois, c'est difficile. Et il y a d'autres choses, c'est plus simple à attendre, parce que, comme disait Laurent, il y a plusieurs facettes. Il y a peut-être une partie positive dans l'attente. Et il y a différents positionnements à avoir aussi dans la manière d'attendre. Pour ma part, je peux attendre sereinement parce que j'ai une certitude derrière. Et puis à un moment, je suis dans l'attente, dans l'expectative parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Et là, parfois, c'est plus compliqué. De manière générale, pour moi, c'est ça. Ouais. Oui, Karl. Je me rappelle d'une expérience qui a été réalisée en psychologie, mais ça remonte. Hein, on avait montré que plus, lorsqu'on attendait un bus, par exemple, qui n'arrivait pas. Soit on partait tout de suite, au bout de 5 minutes, il n'arrive pas, on fait autre chose. Mais plus on attendait, et plus on avait de chances d'attendre encore plus longtemps. Ah oui, parce qu'on se disait, on a attendu suffisamment longtemps, si on part maintenant, il risque d'arriver. C'est dommage, le temps qu'on a investi, voilà. On va le perdre. Ça me fait... je pense à l'espérance dont on va peut-être parler, mais c'est dans cet esprit-là, on attend depuis un moment. Ouais. Alors moi, ça fait écho évidemment à ce texte. Hein. On dit, depuis des générations, les choses n'ont pas changé. Depuis que nos pères sont morts, hein, tout demeure comme depuis le commencement. Et c'est vrai que tu fais référence à cette attente-là du retour de Jésus, où c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça dure un petit peu. Globalement, j'ai quand même l'impression que l'attente, c'est pas forcément quelque chose qu'on aime. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir attendre et finalement, a posteriori, de vous dire que cette attente était profitable? Ça vous est arrivé, ça, de dire j'ai attendu, mais finalement, c'était profitable d'attendre? Est-ce que l'attente peut être bénéfique? C'est ça la question, en fait. Hein. Alors, pour moi, tu vois, pendant 3 ans, dans mon boulot, j'ai voulu démissionner. 3 ans. 3 ans où je me dis qu'est-ce que je fais. Et je dis, Seigneur, c'est pas normal que je sois dans cette situation-là de stress et où on te met dans un placard. Tu ne sers plus à rien. Tu n'es plus rien. Et tu dis, Seigneur, c'est pas normal. Je ne comprends pas.
C'est pas que j'ai des qualités qui sont exceptionnelles, mais je pourrais faire autre chose. Et Dieu m'a maintenu dans cet endroit-là pendant 3 ans, où pendant 8 heures, tu es assis sur une chaise, tu ne fais rien. Et tu dis, mais je pourrais être au service de quelqu'un d'autre, parce que même tu as même honte de prendre ton salaire. Et au bout de 3 ans, les 3 personnes qui m'embêtaient sont plus là. Et la nouvelle équipe m'a dit, non, je refuse votre rupture conventionnelle, j'ai besoin de vous. Il a fallu attendre 3 ans. Et il y a des gens, je prends par exemple Joseph, il est resté 2 ans en prison, en espérant que les chansons puissent se souvenir de lui. Et après, on connaît le parcours de Joseph. Donc, je pense que Dieu utilise justement la patience, utilise cette attente pour nous former dans nos caractères. Ah. Et c'est important. Parce qu'en fait, on vit dans un monde aujourd'hui de l'immédiateté. Il nous faut tout, tout de suite. Et même à la limite, maintenant, c'est même grave, quand quelqu'un t'envoie un... Et même moi, je parle pour moi, hein, j'envoie un message à quelqu'un ou à un groupe et que je ne vois pas de retour. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils ne me répondent pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis mal exprimé? Est-ce que j'ai mal dit les choses? Est-ce que j'ai vexé des gens? On veut une réponse tout de suite. Et des fois, on a des réponses une semaine, 15 jours plus tard, sur un truc qu'on a presque déjà oublié. Parce qu'on vit justement dans cette époque avec la technique, avec la technologie, où on veut des retours immédiats à la vitesse de la lumière. On a perdu le goût d'attendre et de maturer une situation. C'est pas évident, ça, d'imaginer que l'attente puisse être bénéfique. Ah, c'est pas... Voilà, là aussi, c'est pas trop dans nos gènes, hein, d'imaginer ça. Et je vois même, en posant la question, je sens que vous réfléchissez, vous dites, ouais, l'attente bénéfique, c'était pas... Ah oui, c'est vrai que ça peut être pratique, ça peut être bien d'attendre, voilà, ça n'a pas été une réponse spontanée de tout le monde dire, ah ouais, c'est vraiment bien de pouvoir attendre des fois et tout. Non, on est obligé de creuser, de se dire, ah ouais, est-ce que vraiment des fois... Alors, j'aimerais revenir sur ce verset, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Alors, c'est intéressant parce que ce verset, en fonction des versions, il peut être traduit de 2 manières. Vous avez des versions qui vont traduire « Espère en l'Éternel » et d'autres qui vont traduire « Attends-toi à l'Éternel. » « Espère à l'Éternel. » « Attends-toi à l'Éternel. » Est-ce qu'il y a un sens qui vous plaît plus? Est-ce que vous trouvez que c'est équivalent les deux? Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui vous plaît plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Espère en l'Éternel ou attends-toi à l'Éternel? Est-ce que vous voyez une différence entre les deux ou pour vous c'est pareil? Les deux me parlent, mais espère en l'Éternel me parle plus. I? Les deux me parlent, mais espère en l'Éternel me touche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a cette espérance et le fait de me dire espère en l'Éternel, en fait. Et aussi, je pense aussi qu'il y a l'habitude, en fait. J'ai l'habitude de ce verset. D'accord. Alors que attends-toi à l'Éternel, c'est tout aussi fort, c'est tout aussi plein de promesses, je trouve. Ouais. Mais comme on a moins l'habitude. Non. D'accord. On va se pencher vers l'espoir en l'Éternel, mais d'accord. Attends-toi à l'Éternel, c'est aussi fort, je trouve. Ok. Les deux se valent. Mais est-ce que ça revêt le même sens? Voilà ça. Est-ce que ça revêt le même sens? Espère en l'Éternel, attends-toi à l'Éternel. Espère en l'Éternel, attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à l'Éternel. Oui, ça aussi, là, entre les deux. Hein. Alors, il y a Marie-Mé qui élève la main et qui a peut-être une réponse. Attends-toi à l'Éternel, on sent que c'est fort, je trouve. D'accord. Attends-toi. D'accord, mais ça revêt quel sens et lequel vous parle le plus ou peut-être, Alors, pour moi, ouais. Je peux espérer et rien ne se passe. Ah, ça c'est intéressant. Mais si je m'attends, quand on me dit « attends-toi à avoir la visite d'eux », c'est-à-dire que quelque part, dans ma tête, je me fais une certitude que la visite va arriver. Ouais. Tu vois? Ouais.
quelque part, pour moi, le attends-toi à l'Éternel, pour moi, ça rejoint plus la promesse qui va se réaliser. Voilà, ça va arriver. Voilà. D'accord. Et du coup, tu préfères ce sens-là ? Oui. Que espère en l'Éternel ? Oui, personnellement. D'accord, oui. D'accord. Tu voulais intervenir ? En fait, quand on attend quelque chose, on sait que la chose va venir. Moi, je dis qu'il n'y a pas tellement de grande différence, mais bon, on espère. On n'attend pas, en fait, le salut. On espère au salut du Christ. Quand on espère, on sait que Christ nous a promis ça, il va nous donner. Après, on peut attendre quelque chose dans la main de Dieu et on ne l'a pas. Voilà. Ça m'intéresse, on va revenir dessus. Patrice, tu voulais intervenir, mais ce que vous dites là, ça m'intéresse beaucoup. Pour moi, quand j'entends « espère en l'Éternel », en comparaison à « attends-toi », il y a un côté un peu abstrait pour moi. « Espère », bon, ça dépend quel verbe il y a derrière. Est-ce que c'est l'espoir ou est-ce que c'est l'espérance ? Pour moi, si c'est l'espoir, ça se limite à ce que je vis au quotidien. Si c'est l'espérance, ça dépasse ce cadre et ça va beaucoup plus loin. Et donc, si je suis dans l'espérance, pour moi, c'est... comment je vais dire ? Même si Dieu ne répond pas favorablement à ce que j'attends, ça ne s'arrête pas. Je continue à... Ça dépasse le cadre de ce que je vis ponctuellement. Voilà. Pour moi, ce serait ça. D'accord. Alors... Oui. Je voudrais rajouter une chose. Dans l'espérance, il y a la notion de foi. Notion de foi. Pour moi, dans l'espérance. Et c'est ce verset que je recherchais dans Hébreux 11 au verset 13 qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées des loin. » Donc en réalité, pour moi, il y a un côté d'une foi indétrônable, quoi. Dans l'espérance. Voilà, ça rejoint ce que disait Patrice, cette idée-là. D'accord. Alors c'est intéressant parce que je voulais vous poser la question, est-ce qu'on peut espérer sans avoir la certitude que la chose va arriver ? Par exemple, je peux espérer que Jésus va revenir, je ne suis pas sûr que ça va arriver, mais j'espère que ça va arriver. On peut mettre ça derrière le mot espérer, espère en l'Éternel. J'espère, on peut espérer plein de choses, j'espère qu'il va me guérir de cette maladie, à ce moment, j'ai tel problème. Alors, j'espère, Seigneur, que tu vas le faire. Mais sans avoir la certitude, quel est le sens de ce mot espérer dans ce texte ? Alors, c'est intéressant parce que attends-toi, c'est ce que vous avez dit. Attends-toi, il y a cette idée de certitude. Ça va arriver. Et donc, ma question, c'est quelle espérance vous avez ? Ça m'intéresse parce que on peut espérer des choses sans avoir la certitude que ça va arriver. J'espère que Dieu reviendra un jour. J'espère que Dieu existe. J'espère, en effet, qu'il va me guérir de cette maladie. Quelle espérance on a ? Enfin, Vas-y, Laurent. Notre espérance, elle est basée sur une certitude de foi, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'espère qu'il va faire beau le 14 avril. Mais le paysan d'à côté, lui, il espère que peut-être qu'il va pleuvoir parce qu'il a besoin que ça pousse un peu plus. Mais moi, j'espère qu'il va faire beau. Mais par contre, quand j'espère en l'Éternel, j'espère sur une certitude de foi par ma communion, par la prière, par la lecture de sa parole. Pour moi, c'est tout ce que je lis, tout ce que je sens, pardon, est une certitude. Donc j'espère, oui, que ça arrive le plus vite possible, mais ça va arriver. Je suis convaincu que ce que je vis, ce que je lis, les prophéties comme elles sont marquées, que ce n'est pas un conte pour les enfants. C'est quelque chose qui existe. Donc je vis dans cette espérance de foi. C'est basé sur quelque chose de solide. Ce n'est pas l'espérance de dire « tiens, il va faire beau demain ». Ça dépasse ce cadre-là. Ouais. En fait, moi, quand je vois ce texte par rapport à ta question, pour moi, il est forcément rattaché à une notion de confiance en l'Éternel et pas quelque chose d'abstrait par rapport à l'exemple que tu as pris.
C'est attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi, fais-lui confiance. Mais c'est pas une confiance, enfin une attente abstraite ou je sais pas trop. Ou... Non, c'est qu'il y a une relation avec lui qui fait que j'ai la certitude, même si je comprends pas tout, bah, je place ma confiance en lui et il sait comment conduire les choses. Donc pour moi, la notion d'espérance là-dedans, elle est forcément rattachée à une notion de confiance dans ce psaume. Confiance, même si je ne comprends pas tout. Alors c'est intéressant parce que j'ai pris des exemples volontairement dans ce sens-là, hein, par rapport à la maladie, par rapport à plein de choses, où on peut espérer en l'Éternel, mais cette espérance est basée sur la confiance au-delà de ce qu'on voit. Ça c'est intéressant parce que quand vous êtes malade, quand vous priez pendant des journées entières et que ça ne s'arrange pas, quand vous êtes face à des situations qui sont très compliquées, votre espérance en l'Éternel, c'est laquelle ? C'est pas évident, hein. C'est pas simple quand on est face au mur, quand on est au fond du trou, cette espérance. Comment on la vit, cette espérance ? C'est pas facile. Ça dans ma vie. Toujours j'ai dit à Seigneur, pourquoi moi ? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse. Parce que c'est peut-être moi qui est trop pressé pour savoir la réponse. Mais Dieu me donnera au moment voulu. Il faut être patient, il faut attendre. Mais voilà. Tu espères en l'Éternel. En moi, j'espère en l'Éternel. Malgré le fait malgré que tout, c'est lui qui m'a dit. Hein, souviens-toi de moi, je me souviens de lui, mais lui, il se rappellera de moi. Ce que la promesse qu'il m'a fait, il me donnera. J'ai une confiance totale. Avec tous les problèmes que j'ai eus, bon, d'abord, vous êtes un peu mes témoins, mais si je n'avais pas Dieu, si je n'avais pas l'espérance, où j'étais ? Souviens-toi de moi. Moi, je me souviens que Dieu fera ce qu'il m'a promis, il me donnera. Voilà. J'attends. Je ne suis pas pressé maintenant. À mon âge, je ne suis plus pressé. J'attends. Voilà. mais mon frère, il y aura pour moi une solution. Voilà. Voilà. Ouais. Merci. Ça, c'est la sagesse qui parle. Oui, Karl. Le sens de ce que disait Angélus, c'est aussi la notion de confiance évoquée par le pasteur. C'est vrai que, est-ce que l'espérance, l'espoir, change de polarité en fonction de ma confiance en celui qui a donné ou qui a fait la promesse ? Au fond, est-ce que ça dénature Dieu ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'au fond, ma notion d'espérance est liée à ma connaissance de Dieu ou pas ? On parlait de foi, je pense que c'est Laurent qui parlait de foi. La foi vient de ce qu'on entend, est-ce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ? Alors, est-ce que, au fond, moi, je peux attendre parce que, finalement, même si je n'ai pas de réponse tout de suite, je connais le Dieu qui a fait la promesse ? Et ça me permet finalement d'attendre sereinement. On l'a vu, on a plein d'exemples dans la Bible de personnes, Job par exemple, qui tombe dans quelque chose d'absolument démentiel et qui est là et qui dit « je suis prêt à me présenter devant Dieu pour défendre ma cause tellement est-ce que je sais que je n'ai rien à me reprocher ». Mais il fait confiance, il continue de faire confiance à Dieu. Alors, est-ce qu'on... Oui, Vas-y. Non, parce que ça va dans le sens de Karl. Ouais. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit chez Job ? Tout ce qui lui arrive, c'est inhumain. Moi, pour moi, à sa place, pour moi, c'est inhumain, c'est injuste. Mais qu'est-ce qui a fait que Job, il a tenu comme ça ? C'est sa relation avant le problème. C'est-à-dire qu'avant le problème, il priait même pour ses enfants en cas qu'ils aient péché. C'est incroyable. On ne sait jamais. S'ils pêchent, je vais quand même prier pour eux. Et donc, ça signifie quand même pas mal de d'intimité et de relation avec son Dieu qui lui a permis de supporter cette ignominie qu'il supporte, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Donc, je pense que c'est l'espérance est basée sur notre foi, mais surtout sur notre relation avant les problèmes. Merci Laurent. Est-ce qu'on peut, quelqu'un pourrait lire le psaume 39, verset 8 ? Psaume 39, verset 8. Alors c'est 8 ou 7, ça dépend des versions. Mais bon, c'est plus 8. Bon. Maintenant, c'est Dieu que puis-je espérer. C'est toi
c'est trop tard. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? C'est toi que j'attends ou c'est en toi que j'espère ? Parce que c'est le même mot, attendre, espérer. C'est le même sens que tout à l'heure, hein. Exactement le même. Alors, c'est intéressant parce que le contexte de ce truc-là, c'est quoi ? David, il n'est pas en train d'avoir un rhume, hein. Et il espère guérir de son rhume, hein. David, là, il est au fond du fond. Pardon. Et ça, ça m'interpelle. Parce que, est-ce que ça vous est arrivé, déjà, pas de passer par des moments difficiles, pas de passer par des moments très difficiles, mais de passer par des moments très, très, très difficiles où vous êtes au fond. Des moments où vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucune issue. C'est-à-dire que vous pouvez remuer ciel et terre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez... tout ce qui vous passe par la tête, que toutes les solutions humaines que vous imaginez, appeler un tel, faire telle chose, machin, vous avez tout essayé. Et vous êtes face à un mur. Ça vous est arrivé, ça ? Oui. C'est ce qui arrive à David, là. Et là, au moment que tout tombait sur ma tête, je me suis tombé par terre et j'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Et j'ai eu la réponse après. Voilà. J'ai eu la réponse après. Et là. Et c'était une personne que je connaissais qui m'a appelé et m'a dit, tu viens chez moi. Et quand je suis arrivé chez lui, il a dit, tu as besoin de la nourriture, tu manges. Où tu auras des forces. Et il m'a dit, quelqu'un qui ne mange pas ne vit pas. Dans ma détresse, c'est là, il faut dire, on est des humains, mais on ne sait plus quoi faire. Mais Dieu prévoit pour chacun de ses enfants une porte de sortie. C'était ma porte de sortie. Et alors, merci Seigneur. C'est ça qui m'intéresse, Angélus. Quand tu es dans cette situation-là, et vous qui êtes passé par ces situations-là, quand on est passé par cette situation-là, a posteriori, comment vous vivez ça ? Est-ce que cette situation-là par laquelle vous êtes... Comment ça s'est passé, votre relation avec Dieu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a été déclencheur de quelque chose ? Comment vous avez vécu cette situation-là ? Vous étiez au bout du bout. Moi, j'appelle Dieu au secours. Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus. J'ai que toi. Aide-moi. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Mais il m'a aidé. Il a répondu pour que tout pécheur que je suis, il avait pitié de moi. Alors ne doute jamais ce que Dieu peut faire pour toi. Même dans les moments difficiles, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Moi, je suis un exemple. Et je dis gloire à Dieu ce matin. Et merci pour ton témoignage, Jean-Jules. Ah oui, merci beaucoup, c'est encourageant. Pour les plus jeunes, ça nous dit on peut aller de l'avant, hein, avec l'Éternel. Pour ma part, c'est plus facile de répondre maintenant, comme tu dis, a posteriori, quand on est sorti, que quand on est dedans. Et un peu à l'image de tout à l'heure, on parlait de Job, on parlait de la relation que Job pouvait avoir avec Dieu avant que tout se déclenche. C'est vrai que c'est important, mais en même temps, après, le texte nous dit que Job dira, j'avais entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. C'est-à-dire que même s'il y avait quelque chose, au départ, une relation, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'il est passé un stade au-dessus, à mon sens. Et je suis en train de perdre le fil de ma pensée. Et dans ce sens-là, c'est pour ça qu'a posteriori, c'est plus évident, c'est plus facile. Je cherche ma pensée. Ok. Marie-Mé ? Moi, au fond, au très fond du trou, moi, Dieu m'a dit seulement, regarde à moi. Ne regarde pas ta situation, regarde à moi et attends-toi. Tu vois, je regardais un peu la définition, en grec, le mot espérer.
Et dans une des traductions, il y a « regarder à ». Et Dieu veut que tu continues, même si la situation est difficile, mais elle t'échappe, cette situation. Regarde à moi et attends-toi, espère, attends-toi à ce que moi, je vais faire quelque chose. Toi, tu ne peux rien faire, mais toi, tu vas faire, moi, je vais faire quelque chose pour toi. Et ça, c'est, ouais, vas-y, je t'en prie. Moi, au fond du gouffre, c'est le verset qui m'a fait espérer en Dieu et garder l'espoir. C'est Psaume 37, verset 7. Moi, depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, depuis que je suis arrivée en France, et en fait, j'avais déjà mes soucis depuis en Guadeloupe, et que je suis arrivée ici encore, c'était encore pire. Et je me débattais. Et je priais et rien n'avançait. J'essayais de faire par moi-même. Et quand j'ai compris que par ces versets que Dieu m'avait dit, gardez le silence devant l'Éternel et espère en lui. Et ne t'irrite pas contre le méchant, contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies. Et quand j'ai compris ça, Et j'ai tout laissé dans la main de Dieu et tout devient plus facile et de là, toute ma vie a été différente. Et depuis, j'apprends à tout laisser dans la main de Dieu et ma vie est devenue plus facile. Ah, c'est génial, j'adore. Franchement, je trouve ça très très intéressant ce qu'on échange, Patrice. Je suis content. Merci. En fait, quand tu posais la question, est-ce qu'on est déjà arrivé au fond du fond ? Moi, quand ça m'est arrivé, j'étais obligé de lâcher prise. Ah, mais j'attendais ce mot-là. Obligé. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu as dit, j'ai tout fait. T'appelles, tu fais, tu réfléchis, tu cogites, il n'y a rien. Et là, il y a le sentiment d'impuissance qui arrive. Et ce que disait Marie-Mé me parle, parce qu'elle parle de la notion de regarder à Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis obligé de détourner mes yeux de toutes les difficultés. Ok, elles sont là, elles ne vont pas partir. Maintenant, il faut réorienter mon regard. Et il faut chercher Dieu, en fait. Et pas chercher qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi dans ma situation, mais chercher sa personne. C'est comme si on fréquente quelqu'un par intérêt. Je suis en train de manger sur la prédication, mais désolé. Hein. C'est comme si je fréquente quelqu'un, ok, parce qu'il peut me payer ça, il peut me donner ça et tout. Mais là, c'est pas ça avec Dieu. C'est pas parce qu'il peut me donner mon permis, il peut me donner ma voiture, il peut me donner une maison, il peut me donner un conjoint. C'est pas ça. On arrive à un stade où toutes ces choses, en fait, elles perdent de l'importance. Et maintenant, ce que je cherche, c'est ta présence. Et ma richesse, c'est ta présence, en fait. Voilà. Ouais, vas-y. Merci. Il y a aussi une chose à rajouter dans cette expérience-là. C'est qu'il faut goûter à la solitude. Parce que la solitude, moi j'ai connu ça en février 2008, ça a failli me... Enfin bon, bref. C'est dans cette solitude-là qu'il y a beaucoup de choses qui te parlent. Et c'est pas pour rien que des grands hommes ont été dans des déserts. Tu vois ? Parce que dans la solitude, tu te retrouves dans un désert. Et c'est... Ah ben, j'ai presque fini. Mais en fait, c'est dans ce désert-là que tu... Comment dire ? Que tu t'approches du divin, parce qu'il n'y a rien autour de toi qui te perturbe. Et malheureusement, même si la solitude, ça fait mal, c'est dans ces moments-là que tu te regardes en face, en fait. Je suis presque synchro. Impeccable. Il y a aussi l'idée de la relation qu'on a avec Dieu, parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière face aux difficultés qu'elles rencontrent. Et en ça, certaines personnes vont... on ne va plus les voir à l'église parce qu'ils ne trouvent pas de réponse là. Ou alors, Angélus parlait de son expérience personnelle où tu peux être entouré de gens sans que les gens sachent ou se doutent des difficultés par lesquelles tu passes. Et là, tu fais quoi en fonction de ta relation? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est continuer malgré. Continuer en dépit de,
Je m'appelle, c'est Charles Combs qui disait, quand les solutions naturelles ne me résident pas, je me tourne vers les solutions naturelles. Nous, on est croyants. C'est ça. On se tourne vers Dieu. On met Dieu vraiment en avant dans notre vie. Et c'est ça qui, moi, pour ma part, dans mes moments de grosses difficultés, je m'appelle en période, quand j'étudiais, c'est je composais. J'écrivais. Et bien plus tard, en chantant les chansons, je me suis rendu compte que c'était des réponses à mes questions. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est incroyable. Je composais, mais c'était aussi des réponses. Voilà. Je trouve vraiment intéressant ce qu'on a pu échanger là, jusqu'à maintenant. Cette idée qu'à un moment donné, en tout cas pour ceux qui sont passés par là, cette idée qu'il y a besoin de se lâcher prise à un moment donné. Tu voulais intervenir ? Ah, mais je te laisse la parole. Pour compléter un petit peu ce que Karl dit, dans ces difficultés, il faut surtout se dire que Dieu est là parmi nous, se raccrocher à lui. Et dans Hébreux 13, verset 5, il dit, je ne sais pas, je sais plus, mais... Ah, mais vous êtes synchro, là. Ah, vas-y, Karl. Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, verset 5. Mais je trouve ça intéressant de mettre ça en parallèle avec ce que disait Patrice. Par rapport à sa personne. Pas forcément rechercher la réponse comme on irait à un distributeur, mais chercher sa personne. La confiance en quel que soit ce qui se passe. La confiance en lui. La patience dans Je trouve ça intéressant. Enfin, tout ce qu'on a dit là, je trouve ça se complète. Je vous propose qu'on aille dans un texte, un psaume qui était à l'étude cette semaine, qui, je trouve, colle. Bon, il n'y a pas d'erreur, si l'on choisit, c'est qu'il y a un lien. C'est le psaume 131. Je vous propose qu'on aille dans. C'est un psaume que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce psaume 131, quelle que soit la version, peu importe? Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Merci. Je trouve ce psaume extraordinaire. Il y a beaucoup de choses dans ce psaume. J'aimerais m'arrêter sur un ou deux petits trucs. J'aimerais m'arrêter d'abord sur cette notion d'enfant sevré. Tu peux relire ce passage là où il est question de l'enfant sevré ? Le verset. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Comment vous comprenez cette image ? De quoi il parle là ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? J'attends patiemment. C'est quoi un enfant sevré ? Comment vous comprenez ça ? Un enfant qui a mangé. Qui a mangé ? Un enfant qui n'est plus au lait. Qui n'est plus au lait ? Qui n'est plus dépendant de sa mère. Qui n'est plus dépendant de sa mère et pourtant là il est quand même contre sa mère. Mais il est sevré. C'est intéressant de creuser cette idée, je crois, par rapport à ce qu'on a échangé. C'est bien ça, c'est vrai. On pourrait imaginer, en ayant une lecture rapide, que c'est l'enfant qui est collé contre sa maman, qui est en train de téter, qui est bien dans les bras de sa maman, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il parle de sevré. Un enfant sevré, quand il n'est pas sevré, qu'il se passe quoi avec l'enfant ? Comment vous imaginez l'enfant qui n'est pas sevré ? Il est dépendant. Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est dès qu'il n'a pas sa tétée... Il pleure. Ah d'accord, merci. Ça c'est pour tous ceux qui ont eu des gosses ou qui ont vu des gosses. En général, on s'en souvient. Ben oui, quand il n'a pas sa tétée, il est en train de chouiner, il est en train de pleurer jusqu'à ce qu'il ait sa tétée. Et là, le texte nous propose une autre version. Il nous dit, comme un enfant sevré, tu peux relire le verset ? Marie-Mé, ouais. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré.
j'ai l'âme comme un enfant sevré. En fait, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que je suis sevré, que je ne suis plus en train de faire... Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Je ne suis plus en train de faire des crises dès que je n'ai pas ma tétée. Donc, il faudrait se poser la question de quoi est-ce qu'on a été sevré? Et je suis en paix auprès de ma mère. Parce que c'est ça le contexte hein, de ce passage. Cette notion de paix, de bien-être auprès de Dieu. Je suis en paix près de toi. Donc je fais le parallèle avec ce qu'on vient de dire juste avant. On est en train de parler des difficultés, de quand on est au pied du mur. Et quand tu dis, Patrice, que je vais auprès de Dieu, mais ce n'est pas pour avoir forcément... c'est juste la personne, c'est le fait d'être près de lui. Ça me parle, parce que c'est vrai qu'on pourrait être constamment en attente de plein de choses par rapport au monde, par rapport à plein de trucs, tu vois, avoir plein de choses. Mais là, on est sevré de tout ça, parce qu'on est bien auprès de Dieu. J'ai du mal à exprimer les trucs, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que l'enfant est sevré. Ouais. Ah, tu voulais parler, Patrice? L'enfant est sevré, mais il a encore besoin de sa mère. C'est-à-dire qu'il est encore dépendant de sa mère. Il n'est pas autonome, l'enfant, là. Ce n'est pas lui qui va aller travailler pour aller gagner sa croûte. C'est ça. Donc, en fait, il est encore dépendant de sa maman, même s'il n'est plus au sein. Mais il a besoin d'une autre nourriture. Mais il a quand même besoin que maman aille travailler pour manger, quoi. Exactement. Donc, voilà. Exactement, c'est ça. Oui, Patrice. Merci. Par rapport au contexte dans lequel on est actuellement, en gros, ce que je vois dans cette image de l'enfant sevré, c'est aussi de la sérénité qu'il peut avoir auprès de son parent. Quel que soit ce qu'il y a autour, je suis bien parce que maman est là. Tu vois, et c'est un peu ce que je retrouve dans cette relation qu'on peut avoir avec Dieu finalement. Et dans ma version, dans la NBS, c'est écrit comme ça. Seigneur, mon cœur n'est pas hardi, mes yeux ne s'élèvent pas. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop difficiles pour moi. Au contraire, je me suis fait calme et tranquille comme un enfant sevré avec sa mère. Je suis avec moi-même comme un enfant sevré. Voilà. Donc, c'est une notion de calme et de tranquille. Calme et de paix et de sérénité. C'est ça. Et à mon sens, malheureusement, en tout cas pour ma part, pour avoir cette paix qui dépasse l'intelligence, pour reprendre d'autres textes, il a fallu précédemment passer par toutes les complications. Il a fallu passer par l'obligation de lâcher prise et finalement de rechercher plus Dieu que ce que Dieu peut faire pour moi. Et... c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a dans le monde chrétien depuis bien des années maintenant ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Ça veut dire que si tu vas voir Jésus dans ta vie, si tu as Dieu dans ta vie, t'inquiète pas, il va te donner tout matériellement. Tu auras une belle voiture, il va te donner une maison, tu auras une jolie femme, des enfants magnifiques. Tu n'auras pas de soucis parce que Dieu est arrivé dans ta vie. Mais ça, c'est pas ce que le texte biblique nous présente. Le texte ne nous a jamais présenté un Dieu où quand Dieu arrive dans ta vie, tout va glisser. Non. Ce qui change, c'est que ton rapport aux difficultés, aux choses en général, va changer. Mais les difficultés, elles sont là, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant. Merci beaucoup. Alors, dans ce passage, il est question de, justement, ne pas, au verset 1, ne pas se poser de questions trop grandes ou trop élevées. Comment vous comprenez ça? Parce que la cloche a retenti. Du coup, j'hésite à poser cette question ou aller sur. T'as 5 minutes. Laissez-moi juste 2 secondes. Non, parce que s'il y a ça sonné, il faut que je conclue. Alors attendez, laissez-moi juste 2 secondes. Bon, on oublie ma question. J'ai envie de passer à un autre texte pour au moins souligner un élément. C'est pour ça. Oui, vas-y. Je vais rebondir. Si Dieu nous permet de passer par ces épreuves et tout ça, c'est aussi pour que nous puissions nous fortifier et garder l'espérance en lui. Et dans Corinthiens, je ne sais plus le verset, il dit «
je permets ces épreuves pour que tu sois fortifié et aucune tentation ne sera au-delà, que tu puisses ne pas supporter, quoi, à hauteur humaine. Ouais, mais tu as raison. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand on arrive au bout du bout et qu'on n'a pas d'autre solution que de détourner le regard, comme tu disais, de soi pour se tourner vers Dieu, alors on peut finir par dire « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. » Parce qu'on comprend des choses. C'est une expérience, je crois, qui est vitale, en fait. Cette compréhension de « Mais il n'y a que Dieu. » À un moment donné, il n'y a que Dieu. Parce que tant qu'on a un peu les regards tournés vers nous, en disant « Mais si, on va y arriver, machin, bidule. » Alors c'est vrai que je ne dis pas qu'il faut non plus rester les mains dans les poches. Ce n'est pas du tout ça, vous comprenez mon propos. Hein. Donc tu as raison. Cette expérience-là se nourrit et fortifie, comme tu dis, ta foi. C'est compliqué. C'est compliqué, mais Dieu, il faut, comme tu disais tout à l'heure, garder cette sérénité et cette espérance qu'on devrait avoir en Dieu. Voilà. Ouais. Marie-Mé ? Non, mais c'est pas grave. C'est la famille Rivière. C'est pas grave. Tu vois, toujours en regardant le sens de ce mot, il y a aussi le fait de mûrir, amener à maturité. Tu vois, quand tu es parent, quand tu es maman, par exemple, à un moment donné, tu es obligé de sevrer l'enfant et de lui permettre de le faire grandir. Donc, pour le faire grandir, il va falloir que tu lui fasses vivre des choses, ou voilà, tu vois, pour qu'il apprenne, pour qu'il arrive ensuite à cette, enfin, quand il sera du plus grand. Du petit lait au départ, pour ensuite pouvoir être sevré. De voilà, et tu vois, ouais. Avec Dieu, c'est pareil. Exactement. C'est-à-dire que tu es avec lui, mais c'est en vivant ces choses-là avec lui, petit à petit, tu arrives à cette sérénité, cette paix, voilà, de te dire, ben, j'espère, parce que de toute façon, voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est quand même dommage d'envisager Dieu comme étant, c'est-à-dire l'après, c'est-à-dire que ne pas le rechercher quand vraiment les choses un peu plus, plutôt qu'au tout début. Mais ça, c'est sûr. Mais bon, après, c'est peut-être avec les années que petit à petit, tu dis, ah oui, finalement, t'apprends, quoi. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est, pour moi, ça rejoint la notion d'expérience, finalement, avec Dieu. Et quand on n'est pas encore passé par là, j'ai envie de dire, enfin, je vais le dire autrement, quand on passe par là, on se rend compte que, en fait, c'était le meilleur endroit où on pouvait être, en vrai. C'est le meilleur endroit où on pouvait être pour vraiment, je ne vais pas employer trop de termes compliqués, mais c'est là qu'il fallait être pour vraiment rentrer dans autre chose. Mais quand on est dedans, c'est jamais plaisant, c'est hyper douloureux, c'est compliqué. Mais a posteriori, comme tu disais tout à l'heure, on se dit « Ok Seigneur, finalement, je n'ai pas tout compris, mais tu m'as conduit à ce point-là, et grâce à ça, bah, aujourd'hui, toi et moi, on est mieux. » C'est ça. Voilà. Alors, c'est très bien, ça fait le lien avec le texte. Alors, du coup, on ne va pas échanger dessus, je vais juste conclure pour qu'on puisse passer à la suite. C'est le psaume 126. Si vous voulez le prendre ou je vous le lis, psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui-là aussi, il est sublime, ce psaume. Et ce que je voulais dire, alors il y avait beaucoup de trucs, hein. Bon, le temps passe vite, mais je voulais juste souligner un point ou deux là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des verbes au passé, des verbes au présent, c'est un mix entre le passé et puis le présent. En fait, c'est les expériences passées qui font qu'aujourd'hui, donc ça rejoint ce qu'on disait, qui font qu'aujourd'hui,
il peut avoir cette assurance, cette espérance dont on parle depuis le début, qu'il peut espérer en l'Éternel, parce qu'il y a ces expériences qui l'ont nourri jour après jour, ce peuple. Et puis ce qui est intéressant, c'est que il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et la question sur laquelle je voulais vous laisser, c'est est-ce que vous avez déjà eu cette sensation? Est-ce que vous pouvez dire ça aujourd'hui dans vos vies? Avec l'Éternel, à un moment donné, j'ai rêvé. C'était comme un rêve. C'était comme un rêve. J'espère que vous pouvez dire ça. Si vous ne pouvez pas dire ça encore, grâce à Dieu, en vous remettant dans ses mains jour après jour, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez pouvoir dire, mais c'est comme un rêve. Parce qu'on a besoin de pouvoir dire ça, de pouvoir dire avec Dieu, je rêve, c'est génial. Pour pouvoir ensuite, quand c'est compliqué, pouvoir dire, j'ai cette assurance que même si aujourd'hui je sème dans la douleur, je sais que je moissonnerai, j'en suis sûr. Cette espérance et cette attends-toi à l'Éternel, voilà, je m'attends à toi, je sais que ça va arriver Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour votre participation à cet échange. Merci. J'étais très riche, hein. Merci beaucoup. J'espère que la bénédiction j'espère que la leçon a été une bénédiction pour chacun. Accueillons à présent nos invités et souhaitons-leur la bienvenue. Je m'appelle Gabi, je viens pour la première fois. Bah, bienvenue. Bonjour Gabi. Bienvenue. Merci. Le pasteur me dit qu'il y a le petit garçon qui est sur sa maman et c'est sa première fois. Curtis. Église de Poitiers, chantons à nos invités, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue, nous sommes heureux de vous voir. Bienvenue, et nous saluons gaiement. Psaume 9, verset 2 nous dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Est-ce que quelqu'un aimerait dire « Merci au Seigneur » ? Merci Léo. Je voudrais dire un merci spécial à Dieu d'avoir... Bénis notre église avec des jeunes profils comme Léo. Vous remarquerez que nous avons eu à cœur de mettre en avant un jeune lion de notre assemblée, Léo. Et en la circonstance, sous les conseils de notre aîné, mon cher Iris, il a été décidé que pour le moment de reconnaissance d'aujourd'hui, chacun... composerait un psaume de gratitude en guise de reconnaissance. Donc, je vais laisser notre aîné nous lire son psaume et après quoi, je lirai le mien. Oui, effectivement, j'ai grandi dans une église où le 13e sabbat, c'était une institution. Et c'était une fête. Je ne sais pas si vous avez connu ça, où les enfants étaient bien habillés, les enfants chantaient,
raconter des événements de la vie. C'était vraiment un moment de fête. Alors, et j'ai grandi dans ce contexte-là. Et il y a quelques semaines de cela, comme de coutume, je passe du temps à ce qu'on appelait anciennement la vigile matinale. Donc je passe un certain temps à la lecture de la Bible et à la leçon de l'école du sabbat. Ça dure une demi-heure, une heure, selon les dispositions. Et alors, avec l'étude des psaumes, je me suis dit, puisque pour être pratique, pourquoi ne pas proposer à l'Église à ce que nous puissions, nous aussi, comme David, écrire un psaume. Ça m'est venu plusieurs fois, plusieurs jours de suite, la même pensée revenait le 13e sabbat, que chacun prépare un psaume. Alors, j'ai préparé mon psaume, avec l'étude que nous avons faite. Alors, ô Éternel, tu connais tout de moi, puisque tu es mon berger. Et avec toi, je ne manque de rien. Même lorsque je traverse des épreuves, tu es toujours là pour moi. Ta parole me fortifie et me guide, car elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je languis après ta maison, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 6 ailleurs. J'espère en toi, car tu es mon espérance. Je m'attends à toi, ô Éternel. C'est toi et ton assemblée qui donnent un sens à ma vie. Ta bonté dure toujours. Je te loue, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Le nombre en est grand et je ne saurais les compter. Louez l'Éternel. Louons l'Éternel. Amen. Merci Iris. Je retiens que c'est 6 jours et non pas 1000. Moi, je voudrais remercier Dieu par un psaume aussi. Et j'ai pris un texte que j'ai dû écrire pour apaiser mon âme. Parce que on avait parlé d'attente. Et vous savez, lorsqu'on formule des demandes à Dieu, l'attente est amère. Il y a le doute, on se demande si Dieu va intervenir. Alors j'étais en pause au travail et j'attendais une réponse. Et j'étais tellement anxieux que j'ai dû écrire, mettre ce que je ressentais sur papier pour m'apaiser. Donc je crois aux promesses de Dieu. Dieu n'a jamais failli. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent dans ma vie a été marqué du sceau de l'extraordinaire. Dieu, tu m'as mis là où je n'espérais pas être. Tu m'as porté, protégé. Bien souvent, mon cœur aspire à des choses qui ne sont pas dans ton plan de bonheur pour moi. Et malgré mes résistances, tu me protèges en éloignant de moi tout ce qui est mauvais. Seigneur Jésus, je crois en tes promesses. Je crois que ton plan pour moi, pour ma famille, c'est un plan de paix et de bonheur. Seigneur, pardonne-moi lorsque le doute s'empare de moi. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Si tu veux ce poste pour moi, rien et personne ne pourra l'empêcher. Alors béni soit ton nom. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait? Bon. Je vais avoir du mal à passer après vos deux passages. Moi, ce n'est pas un psaume que j'ai, c'est une réflexion qui m'est venue ce matin. Donc, ce n'est pas vieux. Je vais simplement vous lire ce que j'ai écrit ce matin vite fait. Ce trimestre d'études des psaumes a été riche en découvertes. J'ai pour ma part découvert Asaph, ce psalmiste qui loua Dieu en son temps par des pourquoi, des comment et des jusqu'à quand, ce qui révèle ma personnalité. Il est dit qu'il était aussi prophète et je vois notre Dieu utiliser un homme comme Asaph qui dans son psaume 63, 13 dit au verset 2 que son pied allait fléchir et que ses pas allaient glisser à cause de son incompréhension devant l'opulence des méchants. L'homme,
avec ses soifs de questions, de pourquoi. Et Dieu nous dit, étudie mes lois. L'homme et ses comment, Dieu nous dit, regarde mes commandements. L'homme avec ses jusqu'à quand, Dieu dit, fais confiance, je suis devant. Des psaumes magnifiques où se mélangent des louanges, des cris au milieu de nos vies, des pardons au milieu de nos ombres. Nous avons lu les sentiments multiples et variés des hommes et leurs soucis, leurs doutes, leurs cris, leurs joies, leurs espérances, leurs chants et leur allégresse. Tout ce que représentent nos sentiments sont dans les psaumes, et nous voyons que Dieu est à la source de toute réponse, qu'il est le soutien de toute âme qui le cherche, de tout pardon à celui qui le demande. Les psaumes nous racontent que d'autres bien avant nous sont passés par la vallée de l'ombre de la mort, mais que la houlette et le bâton de notre Dieu nous rassurent encore aujourd'hui en 2024. Notre coupe déborde, car nous sommes loin du sang de la croix et que nos vies sont entre ses mains. Amen. Alors moi aussi j'écris un psaume. Et justement il commence, psaume de David. Ben oui, je suis le seul à pouvoir faire ça, alors j'allais pas me gêner. Hein. Éternel mon Dieu, que serait ma vie sans toi ? Même si parfois je m'éloigne de toi, tes bénédictions sont toujours là. Même si parfois je ne t'écoute pas, tu renouvelles mes forces et tu prends soin de moi. Chaque jour passé est une démonstration de ton amour pour moi. Chaque jour passé, tu l'utilises pour m'attirer à toi. Éternel mon Dieu, que serait ma vie sans toi ? Papa, que serait ma vie sans toi ? Alors, moi j'ai hésité à partager ce témoignage avec vous parce qu'il est tout frais, mais j'ai besoin de, voilà, c'est bien de le partager, comme ça je serai plus tranquille pour tout à l'heure. Moi je veux remercier Dieu parce que j'ai passé une nuit pas évidente, assez compliquée, parce que j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment depuis un certain temps déjà. Et ce matin, je me suis réveillé très tôt, rendormi, puis réveillé, puis je réfléchissais à la prédication, etc. Et j'ai passé un temps en prière. Et quand je suis sorti de ma chambre, pendant que ma fille et sa maman étaient déjà réveillées pendant un certain temps, je suis sorti de ma chambre, j'ai ouvert la porte, et je vois ma fille dans sa chambre avec un flacon d'Oliprane qu'elle était en train de boire. Du coup, je me suis précipité dans la chambre, j'ai été la voir... Et je dis à sa maman, il faut faire quelque chose là du coup. Donc j'ai appelé le SAMU tout de suite. Et voilà, ils ont posé des questions. Donc je ne sais pas exactement quelle quantité elle a avalé. Donc on a dû l'amener ce matin, 8h15. J'ai dû l'amener au CHU. Et j'étais un peu paniqué quand même. Je me disais, je ne sais pas quelle quantité elle a bu et tout. Donc stress, ça va qui commence bien et tout. Et je suis là, je dis, Seigneur, hey, c'est fou, hey, mais moi, je suis fatigué déjà, j'aurais pu rester dormir un peu plus longtemps, machin, mais le stress a fait que je me suis réveillé. Et finalement, donc, elle a vu infirmière, médecin, etc. Ils ont dû maintenant lui faire une prise de sang pour voir un peu comment ça évolue. On nous a déjà rassurés en disant que normalement, la dose qu'elle a pu prendre n'était pas une dose toxique. Mais ils vont quand même faire le test parce que voilà, les corps réagissent différemment, etc. Donc ça m'a permis de revenir ici et d'être présent avec vous pour partager ce moment. Donc je veux remercier Dieu parce que, après quand je reviens de l'hôpital, je suis en train de réfléchir, je me dis, hey, imagine c'était pas du Doliprane, c'était autre chose, c'est chaud. Deuxièmement, imagine j'étais pas arrivé à ce moment-là, elle avait ingurgité plus de Doliprane. Et donc je suis là, je réfléchis, je me dis, hey, Seigneur, merci, parce que c'est lui qui a conduit les choses, quoi. Même si... On parle, on vit des choses, on ne comprend pas toujours tout. Mais sur ce coup-là, je peux être que reconnaissant parce que ça aurait pu se passer autrement. Donc voilà. Gloire à Dieu. Et on va lui faire un avant de gastrique ? Pour l'instant, je ne sais pas plus que ça. Mais sa maman est restée avec elle. Voilà. Personne d'autre ?
Merci. Bonjour à tous déjà. Alors, c'est un petit témoignage, mais que je pense que j'ai vraiment besoin de faire, parce que ça fait très longtemps maintenant. Donc là, on est en 2024. En 2021, c'est ça. Donc moi, je suis photographe à mon compte. Et en 2021, j'ai arrêté mon autre activité pour être à 100% seulement sur celle-ci. Et ne sachant pas, en plus à l'époque, puisque c'était encore la période du Covid, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Je m'étais donné 2 ans pour savoir est-ce que je restais dedans ou pas. Voilà. Et on est en 2024, et j'y suis toujours. Donc je suis déjà très content et je remercie Dieu parce qu'en fait, tous les jours, c'est toujours en fait, une interrogation de se dire bah, du coup, comment on va être demain. Et je veux juste remercier Dieu parce qu'en fait, c'est peut-être l'une des expériences tous les jours me fait me poser la question à quel point Dieu s'occupe vraiment de chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, moi j'avoue, quand j'étais plutôt côté salarié, ben, je ne me posais pas forcément cette question, parce qu'en fait tous les mois, bon, on savait plus ou moins, ok, je vais être payé, donc ça va. Mais quand ce n'est pas le cas et qu'en fait chaque jour, on ne sait pas trop comment va se passer la journée, ben, c'est toujours une interrogation. Et voilà, et le simple fait de se dire que ben, on est encore là aujourd'hui et que ça se passe en tout cas plutôt bien, ça va. Voilà, je voulais juste remercier Dieu par rapport à ça. C'est bon? Bonjour à tous, à toutes. Je suis venue ici pour faire un témoignage. Comme tous les temps, à Sylvie. Je m'appelle Sylvie et ça fait longtemps que je connais cet endroit qui m'apaise, qui m'emporte de la paix à mon intérieur. Et c'est un endroit qui n'a pas de jugement, il n'y a pas de... là où je me sens mieux. Et aujourd'hui, je suis venue seule parce que normalement, j'étais venue avec mes enfants. Mais ils sont avec leur père. Je le donnais ce matin. Et leur père, il voulait que je vienne avec lui. Parce que... Et moi, je dis non, j'ai autre chose à faire. Parce que j'ai décidé de venir ici. Donc, je me suis témoignée parce que la vie sans Dieu, c'est pas une vie. Toute chose que j'ai fait, je le fais avec lui. Et c'est pour ça que je suis encore comme ça. Et je suis très, très reconnaissante. Et voilà. Merci. Merci pour ces témoignages. L'école du sabbat s'achève, mais rendez-vous sabbat prochain pour commencer le nouveau trimestre qui aura pour thème le grand conflit. Bon sabbat! Alors, après ce beau moment qu'on a passé là de témoignage et d'école du sabbat, j'aimerais attirer votre attention sur quelques annonces. Déjà, le mardi 2 avril, donc le mardi prochain, comme chaque mardi, il y a la réunion de prière de 19h à 20h. Donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus pour vous connecter sur Zoom et pouvoir participer à cette réunion de prière. Samedi prochain, du coup le 6 avril, nous aurons l'après-midi le groupe d'études Apocalypse chez la famille Marchex.
Comme d'habitude, donc ceux qui veulent venir manger avant sur place et à 15h, normalement, on commence. Oui, bah, y a les habitués, ils savent que des fois on papote un peu, mais enfin à 15h15, on commence. Voilà. Il y aura aussi à 15h une réunion de l'équipe liturgique pour les chantres et les musiciens qui se tiendra à l'église. Mardi 9 avril, donc le mardi juste après, il y aura le comité sur Zoom à 20h, donc tous les membres du comité, voilà. On rappelle qu'il y aura ce rendez-vous pour organiser les choses. La semaine prochaine, le ménage sera assuré par Shelley, qui n'est pas là. Alors c'est vrai qu'il manque beaucoup, beaucoup de jeunes, puisque les jeunes aujourd'hui, enfin la plupart sont à Montluçon pour la rencontre. C'est pour ça que les bancs devant sont un peu vides et ils nous manquent. Mais on est ravis pour eux. C'est génial qu'ils puissent vivre ces moments-là. Donc bon, je pense qu'on est plusieurs à prier pour que, mais avec la confiance, sachant qu'il va se passer de belles choses là-bas, on en est sûr. Et donc on est ravis qu'ils puissent vivre ces moments-là. Donc chez lui, on lui transmettra l'information, comme quoi et le service le sabbat d'après, pour le ménage pour le sabbat prochain. Au niveau du diaconat, il y a une annonce concernant le planning de ménage, puisque le 13 avril, il n'y a personne. C'est bien le cas, donc on me demande voilà, de demander s'il y a des volontaires pour faire le ménage pour le sabbat 13 avril. À ce moment-là, vous vous rapprochez soit de Cécile, soit de Laurent, un des deux, pour voir ça. Concernant le secrétariat, alors je suis un petit peu embêté, parce que je pense que ça vaudrait le coup d'attendre encore une semaine, que Miranda soit présente, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle doit être avec les jeunes. Et donc, on avait proposé la semaine dernière, on l'avait proposé comme trésorière de notre église, donc il n'y a pas eu de remarques, donc on allait voter ça normalement aujourd'hui, mais comme elle n'est pas là, je vous propose qu'on repousse à la semaine prochaine. C'est bien comme ça sur place, quand on fait le vote, ce sera aussi bien. Mais par contre, j'ai une autre proposition à vous faire. Alors, elle n'est pas là non plus, bah oui, il manque beaucoup de jeunes, hein. Mais c'est bien de voir les jeunes qui prennent la relève un petit peu aussi. Concernant notre secrétariat, vous savez qu'on n'a plus de secrétaire depuis un moment, et donc il y a une proposition qui est faite pour une nouvelle secrétaire. Donc, même si elle n'est pas là, on va faire la proposition, mais on fera le vote que quand elle sera là. Par contre, c'est la proposition d'Elsa. Vous voyez tout ce qui est Elsa, elle anime l'école du sabbat assez régulièrement. Donc Elsa est proposée pour être notre prochaine secrétaire. Sachant qu'il y a une petite particularité, c'est que Elsa a accepté alors qu'elle est toujours en poste à Colmar. Et donc, je lui ai dit, écoute, soit tu attends d'avoir fini le poste là-bas pour prendre là, mais non, c'est bon, il n'y a pas de souci, comme elle est dans le coin. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, normalement, pour être en poste à Poitiers, il faut qu'on ait fait son transfert dans l'église. Et du coup, là, on ne peut pas faire le transfert puisqu'elle est encore là-bas. Mais on a la lettre de recommandation, donc tout a été fait dans les règles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en pratique qu'elle va être notre secrétaire et qu'officiellement, on fera son transfert que dès qu'elle aura terminé là-bas. Donc elle va finir à la fin de l'été. Donc voilà. Du coup, Elsa est proposée. Vous avez une semaine, comme d'habitude, pour faire des remarques, Yana. Et on votera ça la semaine prochaine, si Elsa est là. Et si elle n'est pas là, ben, la semaine d'après. En tout cas, dès qu'elle sera présente, on votera ça. Merci pour votre attention. C'est la fin des annonces et je vous demande à... Oui ? Tout à fait. Alors, les filles de la com, parce que vous avez remarqué que normalement, c'est pas moi qui fais les annonces. Donc, j'ai été mandaté pour les remplacer. Elles n'ont pas mis ça dans la liste des annonces, mais c'est sûr qu'il y aura ça. Donc, tu fais bien de le rappeler. Comme c'est le premier sabbat du mois, tous les premiers sabbats de mois, on se retrouve une heure avant. Donc, au lieu de commencer à 10h, on commence à 9h, pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir vivre un temps de prière ensemble avant de commencer. Merci beaucoup, Marie. Le 6, c'est ça, exact. Merci beaucoup. Donc j'étais en train de dire, on va patienter un tout petit peu avant le moment du culte. Voilà, je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, donc dans le doute.
Bonjour à tous, rebonjour pour certains. Je vous invite à vous lever et à entonner avec nous « Prends la place ». Ensemble à quatre. Trois, quatre. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés. De voir le roi des rois. De voir le roi des rois. Dites-lui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Dites-lui encore, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Dites-lui vraiment, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Est-ce que je peux vous demander de me faire un beau sourire? Ah, merci. Parce qu'en faisant ce sourire, vous me souhaitez la bienvenue. Et voyez que nous aussi, Pierre, fais un effort. Nous aussi, nous aussi on fait de beaux sourires parce qu'on est tellement heureux de vivre ce moment de louange et d'adoration ensemble. Bienvenue à chacun dans la maison de Dieu. Et que la joie d'être ensemble, de pouvoir partager, de pouvoir louer notre Seigneur, parce que si on est là, c'est pour ça. Qu'on puisse vraiment le vivre ce matin. Bienvenue à chacun. Nous invitons celles et ceux qui peuvent se mettre à genoux, de se mettre à genoux pour la prière. Et nous chanterons « Entends ma prière, Seigneur ». Entends ma prière, Seigneur. Tendre Père, merci. Merci parce que tu nous entends.
Merci parce que tu es un Dieu qui nous voit. Merci Seigneur parce que tu sais tout de nous et que nous avons des raisons, Père, de te faire confiance. Merci de nous permettre d'être réunis en ce lieu, que ce soit en présentiel ou pour ceux qui nous regardent via YouTube. Père Céleste, nous sommes reconnaissants parce que nous avons, Seigneur, ce privilège de pouvoir nous réunir ensemble pour répondre à ce rendez-vous que tu nous as donné. Nous avons besoin, Père, nous avons envie que tu nous visites, chacun, chacune. Tu connais nos vies, tu connais nos joies, tu connais nos peines, tu connais nos luttes. Et tu sais, Seigneur, répondre aux aspirations les plus profondes de notre cœur. Tu sais, parmi nous, il y en a qui sont malades. Tu sais, parmi nous, il y en a qui souffrent, peut-être silencieusement. Nous avons besoin, Seigneur, que tu les visites, que tu les touches. Pour ceux peut-être, Seigneur, qui sont dans la tristesse, dans le questionnement, dans l'interrogation, nous avons là aussi besoin, Seigneur, que tu interviennes, que tu agisses. Nous voulons placer notre confiance en toi et te remercier, Seigneur, pour ce moment où tu vas nous visiter, nous toucher, parler à notre intelligence, nous rassurer et nous apporter la paix qui vient de toi. Nous te demandons tout cela au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Dans Romains 5, versets 8 à 10, la parole de Dieu dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Rappelons-nous en ces temps de Pâques que malgré les difficultés, Jésus est notre espérance et notre salut. Chantons ensemble l'hymne et louange 292, Jésus, mon espérance. Ensemble à 4, 3, 4. Jésus, mon espérance. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie. Je vis pour jamais. S'il faut divin modèle, ployé sous une croix, en moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes ta main de l'en-retour, je veux dans ta d'être dans les palais du
Seigneur. Je vous invite à prendre, si vous le voulez, dans Ésaïe, chapitre 30, le verset 15 qui nous dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Mais je pense que si nous sommes ici, c'est parce que nous, nous le voulons. La tranquillité et le repos se trouvent sur le seul chemin qui est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. En ce sens, il est ce guide infaillible qui est constamment avec nous et qui nous guide sûrement. Chantons ensemble « Je connais un guide ». Ensemble à quatre, trois, quatre. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pages poursuit paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide. Glorifie
prière, s'il vous plaît. Seigneur Grenier, nous voulons te louer et te remercier pour les semaines que tu nous donnes et c'est pour ton jour de repos que tu nous donnes aussi. Merci Seigneur pour la possibilité de faire partie de ton œuvre, de toutes tes grâces. Nous te remercions par nos louanges, par nos prières et nos chants, mais aussi par nos dîmes et nos offrandes. Puisses-tu faire en sorte que ces dons puissent être bien utilisés pour ton œuvre et puisses-tu bénir les mains de ceux qui devront s'en occuper. C'est ma prière, Seigneur, notre prière, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à suivre le texte qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Merci David pour la lecture. Rebonjour à tout le monde. Merci. Ça met un peu de chaleur. C'est vrai que les bancs sont assez un peu vides, hein, on est assez parsemés. Hein. On se rend compte à quel point la jeunesse est importante, n'est-ce pas ? À quel point c'est elle qui participe aussi à la vie de l'Église. Donc, on remercie le Seigneur, comme disait David, pour cette opportunité qu'ils ont d'être à Montluçon. Et je suis sûr aussi de vivre vraiment des choses extraordinaires dont ils pourront nous faire peut-être un rapport quand ils reviendront. Pour l'heure ce matin, nous allons échanger autour de la question de la confiance en Dieu pour l'avenir. Et j'aimerais commencer simplement en vous posant la question. En te posant la question, comment est-ce que tu envisages l'avenir ? Est-ce que tu es plutôt serein, sereine, anxieux, anxieuse ? Est-ce que c'est une question qui te perturbe un petit peu, cette notion d'avenir ? De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle de l'avenir la semaine prochaine ? Ou est-ce qu'on parle de l'avenir dans 10 ans ? Est-ce qu'on parle de l'avenir au retour de Jésus ? Comment te sens-tu ? Es-tu à l'aise par rapport à cette notion d'avenir ? Alors, je ne vous cache pas qu'à la suite de l'échange de l'école du sabbat qu'on a eu, je disais à David, David, je ne sais pas s'il y a moyen, on peut clôturer le moment maintenant. On ne va pas faire de prédication parce qu'on a abordé énormément de thèmes que je voulais aborder pendant la prédication. Néanmoins, on est là, hein, et je vais quand même partager avec vous une partie de ce que je souhaitais partager. C'est vrai que lorsqu'on regarde autour de nous, on entend parler de ce qui se passe en Ukraine. Certains craignent pour la Troisième Guerre mondiale. On entend parler de ce qui se passe au niveau économique. On nous parle d'un crash, de choses dramatiques qui nous pendonnaient. Sur le plan de la nature, on voit aussi que les choses dégringolent. Après, à titre un peu plus proche, peut-être qu'on entend parler autour de nous de difficultés, que ce soit de santé, relationnelle, peut-être que nous-mêmes, au plan familial, ou au plan du travail, ou au plan de l'école, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et notre avenir peut-être peut sembler incertain. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas toujours confortable avec cette idée d'avenir lorsque je regarde uniquement à l'échelle humaine, si je peux dire ça comme ça. Si je fais un tour d'horizon comme ça, je me dis, waouh, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, quoi. Et plus le temps passe, plus on a l'impression que c'est compliqué. Et quand on ramène ça à notre échelle personnelle, qu'on soit jeune ou moins jeune, hein, on en vient à se poser des questions. Quand on est jeune, je ne sais pas, quelle étude je vais faire, où est-ce que je dois m'orienter, quelle fréquentation je peux avoir ou pas. Ensuite, on vient à la question peut-être du conjoint, besoin d'orientation, dans un domaine, dans un autre. Quand on est plus âgé, on a d'autres difficultés, peut-être est-ce qu'on déménage, est-ce qu'on ne déménage pas. Et puis après, problème de santé, est-ce que je dois me faire opérer ou pas? Est-ce que je dois accepter tel médicament ou pas? Et puis plus tard, d'autres questions, peut-être en lien avec les obsèques, est-ce qu'il faut que je m'y prenne maintenant, faire un testament, pas testament, vous voyez? En fait, constamment, plus le temps passe, en fait, cette notion d'avenir, en fait, elle est là. On ne prend pas toujours le temps d'y réfléchir,
Mais la notion d'avenir, elle est quand même importante. En tout cas, pour ma part, j'aime bien avancer en ayant une vision, une direction. Sauf que... Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Vous avez toujours une direction, une vision claire sur là où vous allez? Toujours ou pas toujours? Est-ce que je peux voir les mains de ceux pour qui ils savent toujours où ils vont et la direction, le chemin est toujours très tracé? Ok, je vois une main. Est-ce que je peux voir les mains de celles et ceux qui, finalement, n'ont pas toujours cette vision qui est maintenue jusqu'au bout parce qu'il y a toujours des aléas, il faut jongler? Ok, merci beaucoup. Moi, je me retrouve aussi dans cette catégorie. J'aime bien avoir une direction, une vision, mais jamais à moyen ou court terme. Parce que je me rends compte qu'il y a toujours des choses qui bougent et il faut toujours s'adapter. Et je me rappelle d'un prédicateur qui prenait l'image du surf. Il disait, lorsqu'une vague arrive, c'est soit on prend la décision de l'affronter et on chute, soit on surfe sur cette vague, on s'adapte et finalement, on parvient à avancer. Alors, le texte que David nous a lu, c'est un texte, je pense, qui est cher à plusieurs d'entre nous, en tout cas, moi, un texte qui m'est cher, où, finalement, l'Éternel s'adresse à Jérémie et lui dit ceci. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet. » Le mot « projet », là, peut être traduit de différentes manières. « Je sais bien quelle pensée, quel plan, quel but, quelle conception j'ai. » Moi, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Ça, c'est dans la version de la Bible en français courant. Okay ? Maintenant, je vous lis aussi une version dans la Taube. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, oracle du Seigneur. Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Ce que je trouve intéressant, finalement, c'est que derrière ce mot, hein, ces projets, ce sont des choses que Dieu a pensées. Ce sont des choses que Dieu a pris le temps, à un moment donné, de concevoir. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, bah quand ça ne va pas, et qu'on ne comprend pas, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui ait piloté les choses, qui ait conduit les choses de telle manière à ce que finalement, ça ait un but. Vous me suivez ou pas? Oui? Alors je vois des têtes, quelques têtes qui font oui. Okay. Et quand je vois ce verset, je me dis qu'au fond, Dieu sait ce qu'il fait. Okay. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui est à l'origine des difficultés que l'on a, mais je suis en train de dire qu'il mesure quand même les choses. C'est-à-dire que s'il ne mettait pas la main, à mon sens, il n'y aurait personne ici ce matin. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un adversaire qui rôde, qui nous connaît, il sait comment faire, et si Dieu ne nous protégeait pas, on n'aurait pas pu être là ce matin. On n'en a pas toujours conscience, mais je crois que Dieu équilibre les choses. Ce matin, on nous parlait du texte de 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit que Dieu ne nous donne pas de tentation, d'épreuve au-delà de nos forces, mais qui nous donne aussi une solution qui va avec. Okay ? Quand là, ça va, c'est réconfortant. Mais quand on est dans la difficulté, c'est pas toujours évident de faire de cela une réalité. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a des moments où... on se dit, Seigneur, tu as promis des projets de paix et non de malheur. Mais là, aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas en paix. Et peut-être que j'ai l'impression que ce qui m'arrive là, ben, je suis en plein dans le malheur. Est-ce que tu as menti, Seigneur? Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Et donc, ça nous amène à nous poser la question, de quoi il s'agit quand Dieu nous parle justement de ces projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous? Alors, je parlais ce matin à l'école du sabbat de la théologie un peu de la prospérité qui nous enseigne que, voilà, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, eh ben, tout va bien aller. Okay ? Tu vas, si tu n'as pas d'emploi, tu vas trouver un emploi. Si tu n'es pas marié, tu vas être marié. Si tu as des projets de construction de maison, t'inquiète pas, il va répondre à ça.
Et vous savez, dans une certaine mesure, bah bien sûr que Dieu est capable d'agir dans ce sens, de nous orienter et de faire cela. Mais je crois qu'il y a un danger finalement à s'accrocher à cette conception de Dieu distributeur automatique. S'accrocher à cette conception du Dieu qui, en fait, une fois que je l'accepte dans ma vie, c'est comme si tout le paradigme change et que tout va toujours aller dans mon sens. Je ne crois pas que c'est ce que la Bible présente. Quand on dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, personnellement, je crois que ça englobe quelque part la réalité de notre vie ici, dans une certaine mesure. Mais à mon sens, je crois que ça dépasse le cadre de cette vie. Je crois que les projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous ne se limitent pas à ce qu'on vit ici-bas maintenant, ni même ce qu'on vivra peut-être la semaine prochaine ou plus tard. Et j'en veux pour, entre guillemets, pour argument, ce qui se trouve dans 1 Corinthiens 15, 19, où l'apôtre Paul dit ceci, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ça veut dire que si notre relation à Dieu, finalement, ne consiste que à ici, aujourd'hui, maintenant, et entre ma naissance et ma mort, bah, je passe à côté de l'essentiel. Et Paul est en train de dire que si notre espérance, même c'est notre espoir, se limite à ce qui se passe entre ce laps de temps-là, bah, on n'a pas compris. On passe à côté de l'essentiel. Et à mon sens, ce dont il est question, ça rejoint un peu le texte qui nous dit que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Est-ce que quand il dit ça, ça veut dire que je suis épargné d'un licenciement? Je vous pose la question. Non. Est-ce que ça veut dire que parce que Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien, je suis épargné de la maladie? Non. Bon, je pourrais multiplier les exemples, hein. Tout ça pour dire que même si à nos yeux, même si à mes yeux, il y a peut-être des éléments qui me font douter ou qui me perturbent dans ma marche avec Dieu, c'est là que c'est important de nous rappeler non seulement quelles sont les promesses de Dieu, mais de comprendre de quoi il s'agit. Dieu ne promet pas que tout sera facile. Il n'a jamais dit que tout sera évident. À un moment donné, j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait « Mais je ne comprends pas, le Seigneur a dit de prendre son joug, mais son joug, il est doux et léger. Mais ce n'est pas doux, c'est pas doux frère, c'est compliqué. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » En même temps, il a aussi écrit de prendre notre croix. Et donc, ça rééquilibre un peu le truc. Quelque part, le doux, le joug est doux, mais dans le même temps, bah, assumer le fait de porter sa croix. Et la croix, elle servait à quoi? Bah, c'était pas pour se faire du bien, hein. La direction de la croix, c'est finalement la mort à soi-même, le renoncement, etc. Et donc, j'aimerais te demander, jusqu'où va ta confiance en Dieu ce matin? Jusqu'où as-tu confiance en Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu pour ce qui concerne ce qu'il y a entre ta naissance et ton décès? Ou est-ce que, pour reprendre encore un texte qui a été cité ce matin, à l'image de ce qu'il y a dans, excusez-moi, dans le texte qui se trouve dans Hébreux, qui nous dit que finalement, il y en a qui ont espéré au-delà de leur vivant. Alors, je vous fais savoir que j'ai eu un appel de ma femme. C'est pour ça que j'ai été tenté de décrocher par rapport à la situation avec ma fille. Mais voilà, vous sachez un peu ce qui me perturbe. Donc la question est de savoir jusqu'où va ta confiance en Dieu. Eh bien, Hébreux 11 nous dit, je cherche le verset, au verset 39, après avoir énuméré ce qu'on appelle les héros de la foi, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage,
n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Est-ce que ce matin, tu es dans une situation où, même si tu ne vois pas de tes yeux l'accomplissement d'une promesse de Dieu, tu restes confiant? Est-ce que si de tes yeux, tu vois, tu ressens de la tristesse, de la peine, peut-être de la solitude, est-ce que malgré ça, ta confiance en Dieu reste intacte? Moi, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où, ouh, Seigneur, je ne te vois pas, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, et je suis OK avec ça, en fait. Je suis OK parce que je suis comme vous, hein. Je suis en chemin avec le Seigneur, et on avance. Il y a des moments, c'est compliqué. Mais ce que je trouve beau avec le Seigneur, c'est que finalement, on a toujours quelque chose à retirer des expériences qu'on vit avec lui. Toujours. Je n'ai pas eu une seule expérience marquante où à la fin j'ai été déçu, où finalement je suis resté dans l'amertume. Pas du tout. Et donc, la question reste, jusqu'où va ta confiance en Dieu? Je crois que les promesses de Dieu, parfois, elles se réalisent au-delà de la mort. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de Moïse, il n'a pas pu entrer directement à Canaan. Okay ? Pourtant, le peuple, après lui, a pu y entrer. Quand on parle de décès, de mort, bon, il n'y a personne d'entre nous ce matin qui est déjà passé par là, ok ? Ça reste, comme on l'appelle souvent, la grande inconnue. Et je trouve très réconfortant de savoir qu'en fait, quand on parle de Jésus, notre Seigneur, c'est la seule personne qui soit passée par là, ok ? Qui est rentrée dans cette grotte qu'est la mort, sombre, que personne ne connaît, et qui est capable de nous guider à travers cette mort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est mort, mais il est ressorti. Il est ressuscité. Et bon, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne vous apprendrai rien en vous disant que tous ce matin, à moins que Jésus revienne avant, nous allons tous passer par là. De facto, si Jésus n'est pas revenu, nous allons mourir. Et c'est important, de temps en temps, de garder ça en mémoire, parce que ça nous permet de faire un reset. Ça nous permet de réfléchir sur vraiment notre état de santé. Comment ça se passe si Jésus revient cet après-midi-là, à 15h? Si Jésus vient, quelle est ta position? Est-ce que tu es heureux? Parce que ouais, Seigneur, enfin, libération, j'attends que ça, je veux voir ton visage. Ou est-ce que, oh mince, ma condition actuelle, c'est compliqué. Alors le but, c'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, hein. On réfléchit ensemble ce matin, ok? Peut-être que parmi nous, il y a des personnes, ou il y a quelqu'un qui, je te remercie. En plus, le meilleur, c'est que regarde. Voilà. J'avais prévu le coup. Merci beaucoup. Peut-être que quelqu'un ce matin, eh bien, se sent trahi. Jésus a connu la trahison. Je peux parler de Pierre, peut-être qu'il a renié, mais ce n'est pas le seul. Peut-être parmi nous que quelqu'un, eh bien, se sent abandonné. Ben, Jésus a connu l'abandon. Quand il était à Gethsémané, il a demandé à ses disciples de prier avec lui. Ben, il a connu ça. Il sait ce que ça fait à l'intérieur. Peut-être que quelqu'un se sent mal compris ou rejeté. Ben, Jésus a connu ça. Il a été, je crois, si ce n'est pas le plus grand mal compris par beaucoup, il a été mal compris. Et il a aussi été rejeté. Dans le livre de Jean, on nous dit que la lumière est venue parmi les siens et ils ne l'ont pas accueilli, par exemple. Quand on parle de la famille de Jésus, à un moment donné, ils ont dit qu'il était fou, quoi. À un moment donné, il a subi aussi ce rejet. Donc quand on parle de ces mots-là, solitude, désarroi,
le fait d'être mal compris, abandonné, bah, moi je trouve réconfortant de savoir que Jésus, bah, le texte dit qu'il est un souverain sacrificateur capable de compatir à nos faiblesses, bah, en fait il sait tout ça. Je le répète, moi je n'ai pas la capacité de regarder Guillaume, de regarder qu'est-ce qui se passe dans son cœur, comment ça va pas, je ne sais pas faire ça. Mais Dieu il voit ça, il connaît ça. Et là où moi je ne peux pas passer, ou là où le psychologue ne peut pas passer, ou là où ton ami ne peut pas passer, ou ton conjoint ne peut pas passer, Jésus passe. Le Saint-Esprit passe. Et quelque part, ce matin, j'aimerais, pour employer une expression qu'on a utilisée ce matin, qu'on puisse réorienter nos regards. J'ai eu l'occasion de dire peut-être deux fois au cours du dernier mois, à deux personnes différentes, il n'y a qu'un seul sauveur. C'est-à-dire que il ne faut pas compter sur le pasteur, il ne faut pas compter sur l'ancien, ou sur le psychologue, ou le psychiatre, okay, pour faire ce que Dieu seul peut faire. Et moi, je suis tranquille avec ça. Parce que moi, j'ai mes limites en tant qu'être humain. Et je disais à cette personne, au risque de ne choquer personne ici, hein, si tu attends d'un être humain qu'il t'aime stricto facto comme Jésus t'a aimé, je suis désolé, je ne suis pas la bonne personne. Je ne veux pas vous choquer. Hein. J'aime énormément l'Église, je vous aime particulièrement ceux avec qui j'ai une relation plus profonde, mais si je n'aimais pas l'Église, ni le Seigneur, ni vous, en fait, je ne serais pas là. Okay, mais dans le même temps, il n'y a qu'un seul sauveur. Et ça, j'insiste, parce que la vie spirituelle de chacun ne dépend pas de moi, ne dépend pas de l'ancien, ni de personne d'autre que de vous-même. C'est-à-dire que si on vient là, sabbat après sabbat, c'est pas pour m'entendre parler, ou entendre parler, David ou Marie-Mai ou qu'importe. Quand on vient, c'est parce qu'on vient chercher Dieu lui-même. Et j'ose croire que dans la semaine, comme vous n'avez pas votre pasteur en ligne, ou les anciens, ou les diacres ou autres, que vous êtes quand même à la recherche de Dieu. Le vrai, l'unique, véritable sauveur, quoi. Le bon berger. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Jésus passe là où tout le monde ne passe pas. C'est triste à dire, hein, mais si malheureusement demain il arrive quelque chose à l'un d'entre nous, on va souffrir, on va pleurer, on sera triste pendant un certain temps, mais malheureusement ou heureusement, la vie va continuer après. Et dans ce sens-là, le salut est individuel. C'est-à-dire que si Jésus revient cet après-midi, je prenais l'exemple de 15h, eh ben, y en a qui seront heureux et il y en a qui ne le seront pas. Mais ça, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de manière individuelle. Okay, bon. Là, maintenant, on arrive dans le vif du sujet qu'on a déjà abordé ce matin. C'est finalement, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui a fait qu'on est là ce matin? Pourquoi on est en relation avec Dieu? Est-ce que je suis en relation avec Dieu parce que j'ai peur de l'avenir? Est-ce que je suis en relation avec Dieu parce que j'attends qu'il puisse pourvoir à mes besoins dans X ou Y domaine? Ou est-ce que finalement, j'ai été percuté par l'amour de Dieu et que finalement, sa personne m'intéresse plus que sa provision. Est-ce que le fait d'être en sa présence est plus important pour moi que ce qu'il peut faire pour moi? Je prenais l'exemple ce matin à l'école du sabbat d'une relation. Les jeunes ne sont pas là, donc je vais mettre de côté ce que j'allais dire.
d'une relation où, ok, je te fréquente parce que tu payes tout ce dont j'ai besoin. Je suis avec toi parce que je sais que mon loyer est pris en charge, ma voiture est prise en charge, que tu t'occupes de tout, et c'est ce qui fait que je suis avec toi. Est-ce que pour vous, ça, c'est de l'amour, ça? Maintenant, si on transpose ça avec Dieu, est-ce que parfois, il nous arrive de fréquenter Dieu plus par intérêt que pour la personne qu'il est? En cette période de Pâques, je crois que c'est une manière aussi de réorienter nos regards. Réorienter nos regards, pourquoi ? Parce que ça nous l'a été dit tout à l'heure pendant le chant, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors je crois que ce matin, il y en a qui sont dans la joie, si Jésus arrive à 15h, je crois qu'on sera heureux. Mais si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'est pas encore OK, peut-être est dans le doute, dans l'anxiété par rapport à l'avenir, j'aimerais dire à cette personne que c'est encore le moment, là, maintenant. C'est encore le moment de dire au Seigneur, ouais, Seigneur, bon, il y a encore des choses à régler. Mais je veux t'aimer, toi, plus que ce que tu peux m'apporter. J'ai envie de grandir encore dans cette relation avec toi, dans cette découverte de toi, Seigneur, parce que j'ai envie d'être avec toi, en fait. J'ai envie d'être avec toi. Et David a dit un jour, il y a quelques mois de cela, qu'il ne croit pas qu'il y a quelqu'un qui a vraiment un désir ardent d'être avec Dieu, qui ne sera pas avec lui. Quelqu'un qui aime profondément Dieu, même si cette personne a des difficultés dans sa vie, ben je crois que Dieu va l'accueillir auprès de lui. Je crois. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui sent vraiment, il y a un petit quelque chose qui coince entre Dieu et cette personne, ben je nous invite, on va prendre juste une minute, juste pour dire à Dieu cette chose qui vous est peut-être venue en tête. Juste pour dire, Seigneur, peut-être qu'il y a ça dans ma vie, mais je t'aime, j'ai envie d'être avec toi. On va prendre une minute de prière silencieuse, et ensuite je reviendrai. Vous savez, quand j'étais en études à Collonges, j'avais un professeur qui disait « Dieu est en dehors du temps ». J'ai eu du mal avec cette notion pendant un certain temps, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Le fait de me dire que Dieu est en dehors du temps, ça change ma perspective sur les choses. Moi qui vous parle, bon, j'ai une certaine notion du passé, ok ? De mon passé, au présent, ben nous sommes là en train d'échanger, ok. Mais l'avenir, c'est quelque chose qui m'échappe. Demandez-moi ce qui se passe dans une semaine, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. Et parmi nous, il y a des personnes qui ne supportent pas de ne pas savoir ce que demain leur réserve. Et c'est pour ça que les voyants, les marabouts, etc. rencontrent un certain succès, parce qu'ils jouent justement sur cette peur de l'avenir, que ce que nous avons finalement en tant qu'être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus,
On est face à une personne qui a devant ses yeux le passé, le présent et l'avenir. C'est-à-dire que, par exemple, le moment de prière que nous avons eu à l'instant, Dieu savait que nous allions avoir ce temps de prière parce qu'il est en dehors du temps. Okay ? Vous me posez la question, quel jour est-ce que, c'est ce qui me vient en tête, hein, alors je partage, quel jour est-ce que je vais décéder ? J'en sais rien, mais Dieu, lui, le sait. Okay ? Vous me posez la question, quel jour Daniel, qui a la technique, quel jour Daniel est né ? Moi, j'en sais rien, mais Dieu le sait. Et donc, pour toutes les personnes qui sont anxieuses, pour qui l'avenir est trouble, ou incertain, nous avons, simplement au travers de la prière et l'étude de la parole, la possibilité d'être rassurés. Parce que même si c'est quelque chose qui nous échappe complètement, le fait de savoir que Dieu balaye tout ça, qu'il sait toutes choses, en tout cas moi c'est quelque chose qui me rassure. Parce que je sais que Dieu est bon. Je crois que Dieu m'aime. Et donc, lorsque moi je n'ai pas de réponse vis-à-vis de l'avenir, ça me tranquillise et ça m'apaise de savoir que finalement, pour l'image, tout ça est dans sa main. Il n'y a rien qui soit hors de son contrôle. Et donc mon encouragement, c'est finalement, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être ce matin, quels que soient les questionnements qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous donner de l'insomnie, qui peuvent nous empêcher d'être en paix, justement, je nous invite à prendre cette habitude de remettre ça entre les mains de Dieu, donner tout ça à Dieu, lui dire, écoute Seigneur, j'ai peur de ça, ça m'inquiète, je ne sais pas quelle décision prendre. Et au travers des psaumes, en fait, on voit des êtres humains qui font que ça, ils ouvrent leur cœur à Dieu tout le temps. Et j'aime beaucoup une phrase. Alors j'aime beaucoup, beaucoup de phrases, hein, mais bon, j'en ai quelques-unes que j'aimerais partager avec vous. Une qui dit par exemple que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Ok ? Moi j'y crois. Une autre phrase qui dit qu'avec Dieu, finalement, le meilleur est toujours à venir. Ça veut dire que si je regarde, je prends une perspective générale, hein, de l'humanité, ok, on a eu le jardin d'Éden, la création, les choses se sont dégradées, il y a eu le péché, mais la finalité au bout là-bas, c'est positif. C'est que du bon, dépendamment de là où on se situe. Si on est en contact, en relation avec Dieu, dans cette relation de confiance, la finalité, vous vous rendez compte, c'est qu'il va mettre un point final à tout ce qui est désastreux dans ce monde. Tout ce qu'on peut imaginer de souffrance, de douleur, de trahison, de mécontentement, de solitude, de tout ce que vous voulez, de guerre, de tout ce que vous voulez, la finalité au bout là-bas, c'est que du positif. Parce qu'il va mettre un terme définitif à tout ça. Et donc j'aimerais nous encourager à être dans cette confiance vis-à-vis de ce Dieu. Okay ? Et surtout nous dire que avec Dieu, le meilleur reste toujours à venir. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, la nouvelle ère qu'il va mettre de manière concrète, eh bien c'est celle de l'ère où il n'y aura plus de cris, plus de larmes, plus de douleurs, car les premières choses ont disparu. Est-ce que je peux voir les mains de celles et ceux qui croient ce que le Seigneur dit dans sa parole, qui croient en cette promesse que quand il va revenir, tout va changer? Merci beaucoup pour vos mains. Eh bien, je nous encouragerais vraiment à continuer à persévérer, même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est douloureux, nous dire que, en fait, l'amour de Dieu est réel. Il est véritable pour chacun d'entre nous. Il n'a pas attendu qu'on soit gentil ou qu'on soit beau pour pouvoir nous aimer. Ok ? Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
invite à vous lever, nous allons chanter le dernier chant, c'est à l'ombre de tes ailes. Hymne et louange 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau, c'est le pour la prière. Oui Seigneur, c'est une joie. C'est une joie de savoir que tu as le contrôle sur tout ce qui se passe. C'est une joie de savoir que tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout ce que tu as créé et que tu vois l'avenir. Parfois la notion de foi, d'espérance peuvent être parfois utopiques par rapport à notre point de vue. Mais au-delà de tout, ce qui se passe au-delà des difficultés, au-delà des peines, des souffrances, tu nous prouves au travers des expériences que tu es au contrôle et que tu nous aimes. Oui, des fois ça peut être parfois difficile. Parfois nous perdons de vue cet objectif, cette foi, cette expérience. Mais tu nous montres au final que tu es à l'origine et que tu as le contrôle sur ce qui se passe et ce qui se passera dans l'avenir. Et en attendant que tes prophéties et tes promesses s'accomplissent, que tu puisses nous garder en paix, que tu puisses nous donner la foi et l'assurance que tu reviendras bientôt et que nous puissions être délivrés de ce monde. Que ta paix puisse nous garder en communion avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter le chant de la bénédiction. Sois béni. Ensemble à quatre. Trois, quatre. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère, dans toutes les circonstances de cette vie. Je veux t'encourager.
À celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire tenir devant sa gloire sans défaut dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est bien obscure sans un seul rayon lumineux, mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et sous ton égide deviens toujours plus radieux. Quant au dehors, quant au dedans, tout est bien noir. Mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier